back the first.
played forward. A bit menacing with the back. Time now for the second half to start. Keep sleeping, keep on waking. Gonzalez. Is that the woman next to me? Gardner. Attacking well here. I'm in with the challenge. That was a foul. The referees allowed the game. And here's the shot. Great work by the goalkeeper. The ball is his and he's made sure he's protected it. He's got the ball there in the defensive zone by reading the play very well. There's some potential in this move. Referee says free kick. That's a straightforward piece of work for the goalkeeper.
attack. It's an excellent cross. Quick reaction time here from the goalkeeper. It's a corner and the possibility of an equalising goal. Corner's taken. Goes for it with a fist. Oh, yet another great stop. I think he's going to earn a clean sheet here if he carries on like this. Moving forward with some danger to the opposition, now they're here. Martial. Now it goes into the wider areas where they've got a winger waiting. Gonzalez. Good vision. Real chance. Pass threaded through. Almost got through, but the keeper picked it up in time. One back very quickly. Martial. Quick-witted and quick in his movement too to intercept there. He screened the ball well there. Good awareness by the referee to play the advantage here. Gardner gets his cross in. He's coming back looking for a teammate. They've got the equaliser. From the neutral point of view, that the game is level again. It is level. Both sides have scored here now. It's on the move all the time and makes lots of these interceptions. I like the look of this attack. Shots on here. The goalkeeper with a textbook save keeps the ball in his grasp. Touch and the possession's gone away. Now a throw in. Ramos. Could be dangerous. Well, it will be a throw-in. Martial. Still as we are on the scoreline, but there's still time, even this late in the game, for a twist to the tail. He's given the free kick, he's won the play this late in the game. Be a yellow card for this player. Can't have any complaints. They could pose some danger now. And that's broken up by the defender before the cross could come in. He's cut that out well, well read. That's an inspired interception. At a really crucial moment, that might just decide the match. Now Williams. Good screen. Right on top of this, the ref. Right to the last.
final whistle comes. So far away from my father's daughter, she just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Et c'est sur cette patte poire, on va recommencer, c'est sur cette super petite musique de fond, un petit peu, ah ça donne envie de bouger ses épaules, ça donne envie de shaker son boutique, je vais vous saluer, vous souhaiter la bienvenue pour cette soirée commentée, où on va voir deux très beaux matchs, un premier match qui va opposer les Saints à nos amis des Nirvana. Alors évidemment match plutôt de haut de tableau hein, parce que si on s'en réfère au classement, les Saints sont deuxième de championnat avec 16 points et ils étaient sur une bonne lancée. Ils ont un petit coup d'arrêt à la dernière journée parce qu'ils ont perdu contre la BAM 2-0. Et avant ils avaient remporté, on l'avait vu la semaine d'avant en direct, le match entre les Saints et Obstruction 3-2. C'est joué dans les arrêts de jeu avec cette victoire à l'arraché des Saints. Saints qui est toujours bien confortablement assis à sa deuxième place. D'ailleurs, puisqu'ils sont à égalité de points avec justement l'équipe qu'ils rencontrent ce soir, les Nirvana. Alors Nirvana qui avait fait un début tonitruant hein, dans le championnat, et une deuxième partie un petit peu plus compliquée, nos amis des Nirvana, puisqu'ils ont terminé la dernière journée de championnat avec un gros 6-2 contre les Riawall, et fait un match nul contre la BAM hein, définitivement, qui est bien revenue hein, sur cette deuxième partie de première partie de championnat. Les Nirvana juste avant avaient gagné contre les 7-Up 2-0. Et le match d'avant, ils avaient perdu contre Obstruction. Avant, ils avaient perdu contre Black Wyrm. Ils avaient gagné contre la Orcs. Ils avaient gagné contre Touch et ils avaient gagné contre Symphony. Donc voilà, début de saison un peu contrasté pour les Nirvana, mais qui sont à égalité de points avec 16 points. Et seulement deux petits points de différence à la différence de but pour ces Nirvana. Donc on peut dire que ces deux équipes sont au coude à coude. Donc ça risque de nous donner un match passionnant. Alors je ne sais pas. J'hésite en fait. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas si je laisse cette petite musique d'ambiance, les amis. Parce que ce qui est sympa, c'est qu'il y a aussi le son du jeu. Ah, vous me le direz hein, dans le chat, vous me direz ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez ou non avoir cette petite musique
ou pas, mais en tout cas le match va bientôt commencer et on va voir du spectacle à mon avis. Parce que ces deux équipes proposent du jeu. Allez, ça va partir. Pour l'instant, je vois que les deux équipes semblent au complet. Je vois personne déconnecté. Ça semble bien parti pour cette première rencontre de la soirée avec les Saints qui vont commencer comme à leur habitude directement dans le camp adverse. Aller chercher tout de suite de la profondeur. Allez, Gamers sur son légèrement sur le côté. Tout de suite, les Saints dangereux qui arrivent à rentrer dans les 16 mètres adverses. On voit cette capacité des Saints avec des petites passes courtes à se, des redoublements à se trouver assez facilement. Allez, les Saints qui sont pour l'instant bien installés dans la moitié de partie, dans la moitié de terrain adverse. Avec Alcazette qui va avoir cette première occasion, une frappe enroulée, mais que Blaireau avait bien anticipé. Allez, Nirvana qui cherche tout de suite à aller devant, mais qui se font reprendre hein, deux fois de suite au milieu de terrain. Ils vont peut-être réussir à développer leur jeu pour la première fois du match. Voilà, avec cette petite relance, pour l'instant on fait tourner. On attend l'ouverture, mais attention, c'est le ballon, ballon très, très très dangereux, la frappe de Gamers. Ballon perdu dans l'axe là, par le défenseur au milieu de terrain de Nirvana, j'ai pas bien vu. Mais en tout cas, c'était le pire endroit pour perdre la balle, plein axe. Et tout de suite là, on s'automet la pression. Allez, attention, il est pas chargé là au premier poteau, la déviation de la tête. Ah, c'est bien repris par Shinza. Et Ragnar qui va réussir à trouver Rio, Rio qui va un petit peu temporiser, Rio qui a perdu des cheveux. Hein. Aïe, on espère qu'il ne nous a pas fait une petite dépression pour perdre autant de cheveux. Et Doom qui s'impose bien là, qui va essayer de remettre son équipe dans le droit chemin. Alors on va essayer de retrouver un petit peu, d'utiliser les espaces. Voilà, c'est pas mal fait ça. Attention, attention, ces transmissions de balles là, des ballons rendus trop facilement à cette équipe des Saints qui vont tout de suite remettre la balle dans les 16 mètres. La tête de Brits, oh, ça passe à quelques centimètres du but. Oh, comment il a pu rater ça. C'était une occasion énorme pour les Saints. À 11e minute de jeu, ça fait être terrible encore. Attention, une fois là où il joue avec le feu. Oh, Shinza qui va dégager là. Les Nirvana qui n'ont pas pris le match par le bon bout. Pour l'instant, qui font trop d'erreurs, rendent trop de ballons aux Saints, qui n'en demandent pas tant. Hein. Cette équipe des Saints qui a pas besoin de ça pour se créer des occasions, donc faut faire attention. Faut qu'ils se reprennent les Nirvana s'ils veulent être performants. Mais là, encore une fois, c'est un ballon gentiment rendu. On a un arbitre d'ailleurs, je dirais multicolore. Ah, c'est magnifique, hein, vraiment, c'est une belle finition. Allez, bonne séquence pour les gens des Nirvana qui rentrent dans les 16 mètres et peut-être la première frappe. Oh, c'est très très bien joué ça, magnifique. Oh, première incursion des Nirvana dans les 16 mètres des Saints et ça fait mouche. Allez, vraiment, je pense que là on s'attendait tous à une frappe. Mais c'est vraiment très très bien joué là, cette petite balle là piquée, magnifique. Et qui offre un caviar à Fufu pour le premier but de ce match. Et ben voilà, comme quoi un petit peu contre le cours du jeu. La possession était du côté des Saints, les erreurs étaient à l'avantage des Saints aussi, mais voilà, ils ont été, dès leur première incursion, les Nirvana, tranchants, avec le bon choix. Tout était beau dans cette action, et les petites passes, petites balles en profondeur, on retrouve la profondeur, on redonne à l'attaquant qui a cherché l'appel et le beau geste, la petite balle piquée, c'est superbe. Et là du coup c'est les Saints qui se retrouvent avec la pression en ce début de match, avec les Nirvana là, qui vont avoir une deuxième opportunité, deuxième fois ils vont rentrer dans les 16 mètres. Ah non, Yoshis qui a fait une feinte de l'ours pour donner un 6 mètres à l'adversaire. Allez, les Saints qui vont devoir réagir. On va temporiser sur le côté, retrouver l'axe. Gamers là qui se retrouve isolé mais qui arrive à garder cette balle qui rentre dans les 16 mètres. Ah, qui a essayé de retrouver le KZ. Mais Doom veillait. Allez, on va utiliser un petit peu les espaces pour les Nirvana. Cette équipe des Saints qui est très regroupée dans l'axe là. Il faudrait faire un petit peu bouger ce bloc. Et voilà, des petites imprécisions, des petites imperfections du côté des Nirvana. Pour l'instant, là, le score qui reflète pas hein, ce début de match. Clairement, Nirvana qui a marqué contre le cours du jeu sur une très belle occasion, une très belle action, plutôt, qui a lié un superbe but.
Mais c'est les Saints hein, qui dominent ce début de match. Ils font moins d'erreurs pour l'instant. Ah, c'est tendu, là encore une balle redonnée là dans les 30 derniers mètres. Faut faire attention à ces petites balles. On sent qu'il y a une volonté hein, de construction de la part des Nirvana, mais attention à ne pas le faire à tout prix. Parce que là pour l'instant les Saints n'ont pas puni les Nirvana sur ces quelques premières erreurs de relance de la part des Nirvana, mais il ne fallait pas que ça se reproduise trop de fois. Ah, c'est une belle occasion là, attention, Gamer qui va se retrouver sur le côté, la frappe, oui, premier poteau. Eh oui, il s'est dit que le gardien allait anticiper. Et c'est très très bien fait cette petite frappera du poteau là, magnifique. Ah, c'est très très bien joué là de la part de Gamers. Ah, ouais, on le voit, le tout petit décalage du gardien de but. Hein. On voit qu'il a essayé d'anticiper. Mais Gamers avait anticipé l'anticipation et ça fait un partout. Avec mon homologue anglais aux commentaires, fait des siennes. Allez, les Saints là qui vont avoir une belle occasion. Attention à la balle en profondeur, peut-être au deuxième poteau. Non, il choisit la solution individuelle. Ah, il y avait peut-être mieux à faire là. Il y avait une belle opportunité, mais c'est bien tenté. Cette frappe qui passe quand même largement à côté des buts. Mais c'est bien. C'est Saints dans l'état d'esprit qui se relance dans cette première période et qui continue de mettre la pression sur cette équipe des Nirvana. Qu'on sent parfois un peu fébrile à la relance. Par contre, attention, ils sont souvent en tranchant. Et de Bello qui gagne un beau duel là. C'était pas évident. En trio. Il est dur à reconnaître, hein, évidemment, Rio sans ses cheveux, un petit peu comme si Marcelo avec la coupe avait ma coupe, forcément ça ferait bizarre. Allez, Eisen qui va essayer de conserver cette balle, qui va...